Bonsoir à tout le monde. Comme nous connaissons, moi c'est Docteur Blanc pour le compte de Caring Hearts Family Medical Centers et pour Caring Hearts Talk Show. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'entrer la caillou, pour moi partager avec le Conseil Santé. Comme d'habitude, nous voulons prendre le temps pour nous remercier toutes fanatiques Kajou TV, tout le monde qui a regardé nos social media et tout patient Caring Hearts. Particulièrement, nous voulons dire merci parce que sans vous-même, nous n'avons pas existé, sans vous-même, nous n'avons pas grandi et nous toujours dire merci pour toute référence que vous voyez pour nous. Je dis à nous un topic très important, très intéressant et très commun. C'est hypertension ou bien tension haute ou bien monde qui fait tension qui est élevée ou bien monde qui a tension hypertendue. Quel jeune monde qui a regardé là qui vient de dire pas fait tension, mais ça sont misconception parce que tout le monde fait tension. Mais par contre, il y a une tension élevée, ce qui nous va discuter plus jeudi. En 2017, il a changé les guidelines en ce qui a trait à la tension, ça nous est high blood pressure. C'est parce que il a réalisé, il a été un nombre, il a été un bail, il a réalisé que à force que mon apprenti dans l'âge, mon enfant fait tension. So, il a diminué le numéro ça que nous allons entrer plus en détail et dans mitaille émission. Ce jeudi, nous allons discuter même les jeunes ou fait attention. Ce sont misconceptions que nous ne parlons qu'au gagnant, penser qu'au pas fait attention. Et apparemment, il y a des gens qui regardent là qui fait attention, quand ça tourne, il y a des gens qui connaissent le monde qui fait attention. Ce nous allons discuter numéro un, j'en ai dit, et nous allons discuter importance qui gagne avec l'occasion tension non numéro qui normal et qui conséquences qui gagnent leur tension élevée. Nous allons discuter qui le nous-mêmes, en tant que médecin, en tant que docteur ou bien provider dans la communauté, qui le nous camité au sous-médicament, qui ça a des effets médicaments ça au cas gagnent, qui ça y aurait les white coat syndrome, et nous allons discuter également qui ça naturellement qu'à utiliser pour que tension descende. Prévention pour faire pour pas arriver dans complications yo et solution à porter pour de clinique là de Caring Hearts Family Medical Centers. La petit coup de break et puis la retourner tout à l'heure. Caring Hearts Family Medical Center, un établissement moderne qui est dirigé par Dr Jocelyne Blanc, Dr Odiel Jean-Baptiste et Dr Réginald Jérôme. Caring Hearts déjà fait un pile palais de l'île Belglade à West Palm Beach. Clinique là équipée de plusieurs blocs opératoires ultra modernes avec des spécialistes professionnels qui d'ailleurs parlent anglais, créole et espagnol. Quand il s'agit de bail soins de santé, il y a pile d'autres cliniques qui existent. Différence qui gagne, l'autre clinique qui travaille pour vous. Nous-mêmes dans Caring Hearts, nous prenons soin. Nous traitons chaque patient avec passion dans un cadre qui est propre et soigné. Caring Hearts prend plusieurs assurances médicales, tant que Humana, Medicaid, Medicare, Oscar, WellCare, et un pile d'autres. Caring Hearts Family Medical Center, c'est numéro 1 dans les affaires santé. Bienvenue, mesdames et messieurs, après la pause. Si vous apprenez à nous rejoindre, nous allons discuter un sujet qui est lié à hypertension ou bien high blood pressure. Ou bien créole monde qui a tension haute. CDC estimé, CDC qui c'est Centers for Disease Control estimé que une sur chaque 3 monde qui a tension élevée. Ça son problème qui vraiment courant et me rencontre le de tous les jours dans clinique moi. Et monde qui 65 ans ou plus yo, moitié dans yo qui tension qui élevée et dans population ça 33% monde qui fait tension aux États-Unis. Bien population américaine là moitié nan yo fait une tension qui pas contrôlée et nous capable dire numéro ça plus toujours raison pour laquelle parce que gen moun ki pa al kay docteur gen moun ki pa fait prévention gen moun kap machan tension élevée ou pas même connaît et d'autant plus en 2017 yo changé guideline yo côté yo descend numéro yo yo estimé que une tension normale supposé moins que 120 sur 80 so gen moun ki a peu près plus que ça so vin nan catégorie moun ki fait tension élevée so numéro sa yo j'en dis en plus toujours so as healthcare professional nan communauté hein, nous estimé que c'est un devoir pour nous vin parler et topic ça pour nous faire pour qu'un numéro qui pour faire qu'on était normal pour éviter dommage sur organe ou bien major organe nan corps c'est ça que fait n'a discuter ça jeudi hein. So j'aime te dire nous tout moun fait tension.
Mais on connaît avec tension son bagage vraiment pour prendre capable dire pour prendre en considération ou bien pour prendre sérieusement. Par définition ça blood pressure veut dire high blood pressure. So c'est force sang à exercer sur artère. So artère côté sang traversé, la tension élevée, so ou vinn gen dommage qui fait sur artère qui ca causer qu'on capable arriver dans complication. Et nous connaît avec l'âge artère ça au vini pidio pi stiff circulation pas qu'a fait Jean pour le fait. So c'est ça qui fait le plus souvent monde qui âgé yo fait tension plus que monde qui jeune yo. So c'est une raison que nous t'ai parlé, nous t'ai dit que monde jeune fait tension mais monde plus âgé yo fait tension parce que artère yo rive dans point yo tout hard ou bien stiffen. So pour catégorie tension yo, il y a différentes catégories. Gen ça nous relé normal tensive là en anglais ou bien tension qui normal qui moins que 120 sur 80. J'aime te dire nous avant guideline a changé parce que avant ça il était qu'on dit 120 sur 80 mais on rend compte que mon yo vinn faire tension à la langue se so dit en descend numéro ça yo non seulement pour nous mêmes en tant que healthcare professionals pour nous connaître pour nous prendre ça plus bonheur avec patient yo pour nous faire prévention et puis pour nous capable en plus et bring awareness pour monde cap arriver dans complication. So, avec nouveau guideline yo, on tension 120 jusqu'à 129 sur 80 considéré en tension qui élevée. Ça veut dire tension ça, li pas normal, li haute. High blood pressure, ça nous relé stage 1 là qui c'est 130 à 139 sur 80 à 89. Tandis que avant, on était considéré ça avant, il pas considéré sa tension. Mais maintenant avec guideline qui change, on considère stage 1 et puis stage 2 qui c'est 140 sur 90, c'est lui même qui était considéré high blood pressure qui était considéré stage 1 avant ça. Quand il y a à force j'en nous dit et complications, yo descend numéro yo pour que nous mêmes nous capable faire plus nous cap plus agressif avec traitement et towards patient et patient capable gain plus awareness, yo capable faire plus changement dans lifestyle yo puis pas arriver dans point puis faire tension ou bien puis développer complications. Gon numéro qui c'est 180 sur 110, dame que nous retenons numéro ça c'est parce que numéro ça c'est en emergency crisis. Ça veut dire c'est relé docteur ou bien pour aller en emergency. Si ça nous relé stage 3, 180 sur 110 ou plus. So normalement si on fait en tension 140 sur 90, vous considérez ça hypertensive. So faut nous mettre sous médicament. Of course, grand bonne bagarre qui peut rentrer en ligne de jeu, en ligne de compte, considérer ensemble moun nan avant même que nous considérer mettre moun nan sous médicament. So c'est ça que fait nous dit le ou gen tension 140 sur 90 et si condition pas et traité a gen complication quand même k'ap vini. So n'a dit premier numéro 1 qui c'est moins que 120 sur 80 ça mon nan gen tension qui normal. Tension 120 sur 129 moins et peser ce numéro c'est parce que moins vle nous gen idée de numéro yo. 120 sur 129 considéré tension sur 80 considéré 120 à 129 sur 80 considéré sur tension qui élevé. So j'aime te dire nos stage 1 qui c'est 130 sur 139 à 139 sur 80 à 89 et stage 2 qui c'est 140 à 90 que n'a plus focus sur les. Même j'en ouvrais au monde pour tension contrôler quand ça tout le tension descend trop bas li ka causer ennui à monde spécialement monde qui âgé au monde qui 60 ou plus nous pas ta remè que le nous descend tension li vienne causer des ennuis. C'est ça que fait yo ba on différent guideline pour yo même yo fait connaître monde ça aussi 60 ans ou plus tension capable à 150 sur 90 et li OK parce que nous pas vle que gain complication ou bien ça a l'effet que le médicament trop élevé ou bien les tensions trop bas. So guideline yo you mette plus accent sur samedi ou sur nombio et non seulement ça tout you mette important sur comment ou même technique ou ka utiliser pour checker tension. Nous même dans clinique là qui j'en ou ka checker tension guideline mentionné ça tout ou même l'on la kayo qui ça pour faire pour checker tension. Ça recommandé l'op checker tension faut deux pieds à terre
et puis faut brao non niveau côté que cœur y est côté que main ou fessé up et puis les non niveau côté que cœur y est pour capable jouer un bon reading ou bien on right number l'op checkitation et l'autre check le tiltao il est toujours bon pour comparer side bras droite là bras gauche là pour comparer pour si gon grande différence gagné le tout mon nan kon gen tension nous obligé de checker différentes positions tant qu'on ka fè mon nan chita nous ka fè mon nan crampé pour nous est-ce que gon changement le mon nan changer position avec tension est-ce gon grand changement m'ka di on grande différence parce que à chaque fois checker tension pa jamais même gens vraiment mais si gon grande différence ça mette nous en alerte pour nous connait ki ça pour nous faire. So, j'en ai dit, hein, yo recommandé pour nous commencer mon naso médicament stage 1 qui c'est 130 à 139 sur 80. C'est si seulement mon nage l'autre condition. Par exemple, si mon nage problème kidney, ou bien mon nage fait sucre, ou bien mon nage fait stroke, mon nage problème cœur, définitivement, nous avons considéré pour mettre mon naso médicament malgré le numéro pas haut tellement. Tandis que le mon nage 140 sur 90, nous automatiquement quand mettre mon sous médicament moyennant j'en nous dit faut nous chita avec pour nous faire un plan si tension 140 sur 90 nous pas forcément obligé right away mettre sous médicament ça nous fait nous chita avoir nous considérer pour faire un lifestyle modification ça nous dit nous encourager aussi ce surpoids qu'on gagne pour perdre du poids si c'est sel si c'est diet ou qui pas bon consommer un pile sel nous encourage pour réduire sel l'eau et si c'est exercice qu'on pas faire nous encourage pour faire exercice so avant même que nous considérer mettre ce médicament gain l'autre bagaille nous fait pour nous capable faire en sorte que ou fait changement dans corps avant même que nous mettre ce médicament so je nous dis guideline yo aller dans plusieurs bagailles mentionné ça on mentionné tout yo fait connaître nous même tout en tant que provider dans communauté nous doit garder statut as far as socio-economic status. Ça veut dire, si je prends bon médicament, il faut me connaître, est-ce que le médicament que je prends est un médicament que je peux offrir? Si je ne peux pas offrir le médicament, c'est comme si nous pas dans la même page, je peux prendre le médicament, ou dans la pharmacie, je ne peux pas prendre. So, la prochaine fois, je vais venir, je ne peux pas faire un changement vraiment fait, parce que je ne peux pas en mesure pour offrir le médicament. Si je ne peux pas avoir assurance, il y a des programmes côté gouvernement, il y a des pharmacies qui sont free médicaments. Et il y a des pharmacies tout qui mettent prix affordable. Tant que pour 30 jours supplies, mon nage paye seulement 4 dollars et puis 10 jours et en 90 jours supplies, mon nage seulement qu'à payer 10 dollars. So encore tout ça entre en ligne de compte le nous-même n'a presque aucun médicament et le patient devant nous garder tout ensemble, mon nage est-ce que mon nage a assurance, est-ce que le bagage assurance, est-ce que le cas afford médicament que nous va mettre le soulien. So nous t'ai parlé de dommage capable faire dans comme on le tension pas contrôlé une dommage capable faire major organ yo brain c'est un dommage capable faire nous contendez il y a monde qui fait stroke le monde fait stroke c'est parce que tension pas contrôlé et nous gain deux gros veines qui voyer sang avec oxygène dans brain là qui doit gon blocage qui fait et puis ça vient faire que monde ça et li vient faire stroke le monde fait stroke, monde pas fonctionner même genre. Le monde a une tension qui toujours élevée, long term effect ou gain fait que monde gain fait dementia, le monde arrivé dans l'âge. L'autre un organe qui a affecté tout c'est cœur monde. Le monde fait tension, son j'aime te dire tension c'est sang qui est pressé contre artère, vient causer dommage sur artère et vient causer dommage sur cœur. Et d'une dommage qui a causé ce cœur là c'est vin fait cœur fail ça nous relie heart failure parce que la pompe sang il vin gon excès la fait parce que gain extra et pression tellement élevé côté que cœur a vini muscle cœur a gain wa faible tout ça nous relie cardiomyopathie ya, ou bien heart failure que cœur a fail ou bien cardiomegaly côté cœur a vin enflé et puis ventricule gain enflé tout ça causer problème avec cœur. L'autre organe qui a affecté tout c'est kidney yo, ça nous relie rein yo. So plusieurs causes capable ça, si tension toujours élevée ça ca causer que mon n'a des problèmes kidney ou bien le ca aggraver si mon n'a té commencé un petit problème à kidney, la tension élevée toujours le ca aggraver situation et conséquemment mon n'a capable ca même arriver dans la vie sans
à cause de tension qui pas jamais contrôlé. Et une bagaille que nous garder l'en font urine analysis pour tant test pipi, nous ca garder si bien protéine qui sorti qui spill dans pipi. So depuis qu'il y a protéine qui spill, ça son première indication qui fait une première indication qui fait nous connaît que ou at risk et leur concerne nous pas qu'embe problème là pour nous-mêmes nous pas gérer seulement nous-mêmes nous faut qu'un spécialiste et pour nous capable pour capable gagner tout cet service qu'a garder pour nous make sure qu'on pas arriver dans point pour aller dans la vie ça j'en nous dit complication on a continué avec complication blood vessels capable affecter le nous dit blood vessels gain roi c'est artère yo artère dans main ou bien dans pied capable affecter ou bien dans arm yo dans leg yo capable sans complication le tension toujours été élevé. L'autre complication qui ca gagner monde qui enceinte yo si tension élevée ou capable ouais côté que on a arrivé dans pré-éclampsie ou bien capable même river que yo prend ti moun nan bonheur parce que tension élevée maman at risk ti moun at risk qu'on y a yo prend ti moun avant même l'heure ça nous les premature birth côté ti moun nan tout petit et gagner leur fait combien semaines même mois et demi dans ICU parce que ti moun nan yo pral avant l'âge ou bien avant même que l'rivé 9 mois. So question nous ka poser ou même ka garder m'la qui le docteur a ta supposé mettre sous médicament. M'te discuter ça. Pas un clear answer vraiment. Pas un answer qui clear cut parce que m'gen doit mettre sous médicament mais m'a garder ensemble problème que ou même ou gagne. Par exemple, j'en nous dit si ou gen problème kidney ou fait sucre sous 130 sous 80 ou bien à 89 130 à 139 sur 80 à 89 on ka considérer mettre ce médicament sous gen l'autre condition gen comorbidité genre terme médical là dit ça veut dire gen l'autre maladie qui ka causé dommage l'autre bagaille tout nous capable dit pa gen si ou pa gen l'autre problème j'en nous dit nous considérer lifestyle modifications parce que nous pas ta remet courir mettre sous médicament s'il pas nécessaire. So bottom line l'essentiel c'est faire en sorte que numéro rété j'en dit 120 sur 80 ou moins c'est idéal là ça et si ou dans stage 1 ou stage 2 c'est chercher un docteur venir dans Caring Hearts Family Medical Centers pour nous prendre soin pour nous gérer tension avant même qu'on arrive dans stage complication. N'a pas un petit coup de brique et puis n'a pas tourné tala. Kim Hart's Family Medical Centers has been in existence since 2014. We have two locations, 2135 South Congress Avenue, Suite 4 A and B at Palm Springs, Florida, and also in Belgrade at 371 South Main Street. Meet your medical team, Dr. Jocelyn Blanc, Dr. Odiel Jean-Baptiste, Dr. Reginald Jerome. We take most major insurances and we offer a full range of services such as EKG, labs on site, allergy testing and treatment. We also offer DOT, work and school physicals. Visit our website at chfmedical.com and call us at 561-965-6333. De retour, mesdames et messieurs, si vous appelez branché, n'a parlé de hypertension ou bien tension qui est élevée, mais n'a focus sur numéro ça qui est 140 sur 90. Ça fait n'a focus sur lui parce que selon littérature recommandé pour nous mettre sous médicament à niveau ça. Mais of course, ça parle dépend de monde, de tout ensemble monde. Si monde ben nous garantit dit doc, pas besoin mettre sous médicament pendant 3 mois, m'a fait exercice, m'a perdu du poids, m'a changé j'aime manger, m'a éliminer ou bien m'a réduit sodium moins qui c'est sel moins m'a fait en série de bagaille then nous bay mon chance pour mon pour ne pas mettre mon sous médicament et puis le numéro ça répété tant que si mon nan vinil toujours dans 140 sous 90 ou plus nous considérer est-ce que mon nan fait tension vraiment ou bien est-ce que c'est environnement qui causé mon nan et que tension élevée c'est ça que fait la science reconnaître ça y aurait le white coat syndrome. Si mon nan di nou doc le m la kay mwen tension normal c'est l'homme rive nan clinique là le fait que me connaît il y a possibilité me gagne une mauvaise nouvelle ou bien environnement kon fait me stresser et tension toujours normal la kay mwen c'est là li ou le konsa ça nous fait nous ba conseil pour monitor tension la kay ou ça veut dire pour checker tension
comme ça se doit, deux fois par jour s'il le faut, ou bien trois fois par semaine, ça dépend, pour checker tension, pour nous, est-ce qu'on fait tension vraiment, ou bien c'est le nom office de la tension élevée, que ça nourrit les white coat là, parce que quand nous toujours mettons white coat, qui c'est jacket blanc, ça c'est de là non en sorti, white coat syndrome. So si le ou ban nos numéros yo nous un numéro normal et avec telehealth nous fait qu'on y a et de la caillou nous capable et dans moniteur ya et nous capable qui numéro yo yi. Li toujours bon pour nous garder device là plutôt parce que le c'est numéro ban nous ou gen doit mettre numéro kota remen que nous qui fait que nous kota mais sou fait le conseil pas bon parce que c'est tête ou fait du tort. C'est l'essentiel, les plus bons, c'est nous-mêmes, nos devices là, qui c'est les machines, pour nous, est-ce que ou gen tension seulement là dans la clinique là, et puis la tension normale. C'est ça qui fait nous encourager pour moniteur yo, et puis bon nos numéro yo, ou bien nous regarder dans le device là, pour nous, est-ce que tension normale là la caille. So, si tension normale là la caille, c'est pas, pas nécessaire pour nous mettre sous médicament. Mais n'empêche que nous n'avons pas encouragé pour faire exercice, n'empêche que nous n'avons pas encouragé pour toujours et faire en sorte que vous mangez limited salt, limited sodium et sel, et limiter sel pour que tension capable d'être normale. Guideline yo recommande tout, nous pas seulement ka mette moun nan sou médicament, let's say moun nan vin nan clinique lan li 144 ou plus 90, on seul visite nous pas ka mette moun nan sou médicament parce que nous gen guide pour nous suivre pour nous mettre moun nan sou médicament parce que li meilleur que nous make sure que tension ba et nous recorder de wa son bonne tension, c'est vraie tension qu'on fait tension et effectivement li pa bon pou nou mete sou médicament et puis en réalité ou pa fè tension. So c'est ça que fait nous-mêmes nous encourage pour même pour venir une deuxième fois peut-être dans moins que deux semaines pour nous rechecker encore pour nous est-ce que le même niveau a, ou bien est-ce que li améliorer s'il améliorer d'un pas une raison pour nous continuer avec traitement ou considérer traitement mais par contre j'en dis lifestyle modification son bagay que toujours a pas courage pour faire. So lola kayo j'en ai dit si ou sous médicament nous t'aimer pour checker tension deux fois matin et après-midi sur ce médicament et j'en te dit hein l'o prendre connait et pour prendre bien pour que numéro yo capable c'est right number pour nous connaître exactement ce médicament là dedans son médicament dose la right ou bien est-ce que nous supposé ajouter médicament. Les meilleurs, spécialement si tension 140 ou 90 ou plus, les toujours bon pour ça en combination of medication. Là nous dit combination, un médicament qui a at least deux ingrédients là-dedans. Un médicament, un seul pil, même bien deux médicaments. Raison pourquoi? Parce que ou même en tant que patient, on vient plus compliant parce que si on prend un seul, on prend un seul grain, un seul comprimé, mais il y a deux médicaments là-dedans, plus compliant parce qu'on pas besoin de prendre deux médicaments. Et d'autant plus, il y a mon hypertension, il y a mon cholestérol, il y a mon sucre, il y a un peu de médicaments à prendre, plus nous qu'à combiner médicaments, les plus bons. Of course, ça va dépendre de l'assurance, il y a l'assurance qui couvre la combination, il y a l'assurance qui pas couvre, ça dépend de la combination. But raison li important le nous checker médicament pour et tension pour make sure c'est bon son bon tension que vraiment fait ou fait tension parce que nous pas avle gens nous dit hein pour nous bon un médicament qu'on pas mérité pour un médicament quand ça tout opposé en vrai nous pas avle tout si ou fait nous connaît que tension toujours bon la caillou et pour ban nos numéro yo numéro bon mais en réalité ou pas bon nous pas avle pas diagnostiquer un problème et puis finalement on va venir dans un point que une complication parce que en fait vous faites attention mais le on fait nous connaître que dans office là il est élevé mais la carte est normale et puis le bon numéro que nous t'aimer attendre ou bien j'en nous dit c'est ou même on fait du tort ce nous t'a souhaité que bon nous vrai numéro pour tacler problème là avant même que arriver dans phase complication et il y a différents traitements que nous ca considérer le nous calmer tout monde sous médicament. Un traitement et c'est diuretic, ça y est les water pill là. Water pill monde qui prend water pill capable du et yo fait et water pill fait au pipi en pile et c'est pour ça bal non water pill là. Une bagaille capable faire tension élevée, j'en nous dit c'est retention of le monde n'a consommer en pile sel. So le consommer en pile sel qu'on y a ou vin retain fluid, ou vin retain water. So,
l'or ou kembe tout l'eau sa nan kor à cause de celle-là. Sur le nouveau d'arrêt d'éclat qui se voit depuis là, il fait que retirer de l'eau nan kor ou de celle avec de l'eau sortie nan kor. So, c'est ça que fait l'eau nan médicament sa yo, li toujours bon pour hydrater tête ou pour boire de l'eau en pile pour pas arriver nan point pour déshydrater parce que ou depuis là faut al pipi souvent pour retirer excess sel avec water, excess sel avec de l'eau ça yo. So li bon pour toujours boire de l'eau de temps en temps. L'autre médicament que nous bay tout et un exemple de diabétique m capable dire qui c'est hydrochlorothiazide pour moun k'ap gade nou, gen moun k'ap pran li et c'est hydrochlorothiazide ou bien l'autre exemple m capable dire c'est chlorthalidone qui c'est une nan et water pill. L'autre médicament que nous bay tout nous considérer le n'a commencé au monde sous médicament c'est calcium channel blocker. Calcium channel blocker qui c'est un exemple capable dire c'est Norvasc ou bien amlodipine. So ça fait dilater verso yo côté que et circulation cap fait plus facile et en retour il descend tension. So avec calcium channel blocker qui sont bons médicaments mais par contre il y a side effects que et nous pral rentrer là-dedans puis devant mais c'est une médicament que nous bay tout pour et contrôler tension mon. Je nous dis si tension 140 ou 90 nous toujours considérer mettre un combo qui c'est un médicament qui gagne deux pills pour tension capable contrôler. So bon bagay ki gen nan medikaman sa yo, medikamentasyon, gon paket medikamentasyon. Sak bon isi aux États-Unis et nou gen un département ki kontrole sa ki se FDA Food Drug Administration. Sa yo fè yo étudier medikaman sa yo. Gon bon medikaman ki étudier et side effects yo pa on surprise pou nou. So nou même avant même et lè mete sou medikaman nou ka di men ki sa pou gade, ki sa sou vin santi. Nous capable connaître side effect of the medication then nous capable plus éduquer dans ça ça. So c'est ça que fait en jeune audien et médicaments sont bons médicaments qui étudier et puis side effect que c'est ba ko ka prédit so nous éduquer dans ça ça. So par exemple diuretic on connaît le fait que on retire bon de l'eau dans corps il vient for tired, il vient for fatigué et puis il vient faire les mêmes qu'on causer crampe. So le causer crampe comme ça c'est parce que corps pas ajusté, songez que et tension était toujours élevée ou tu gagne excès de l'eau avec celle dans corps. So automatiquement au sous diuretic qui c'est water pill là côté on va retirer excès de l'eau avec celle ça ou ka vinn gagne crampe parce que ou ka vinn gagne electrolyte yo qui vinn imbalance côté ou ka gagne manque de potassium ou potassium est capable sortir dans pipi hein et puis ou capable gagne magnésium ou phosphate capable sortir tout c'est ka vinn causer qu'on fait crampe. So si ça arrive fait docteur connaît fait nous connaît et puis pour nous capable il de bon supplément ou bien font blood work pour nous si c'est electrolyte yo qui abdesan. L'autre bagaille tout et nous capable dit et si ça t'arrive ou sent ou fatigué avec médicament tant que li bo fatigue nous capable dire dans 2 semaines ou plus ou ka vinn sent ou better parce que songe quoi pour réajuster avec une tension qu'on a qui vinn est plus ou moins normal parce que si ou t'ai konn une tension qui toujours en 160 150 et puis soudainement n'a vinn mettre dans tension 130 ça veut dire quoi ka senti ça gon ajustement ka fait sur dans 2 premières semaines ou ka senti qu'on changement qui fait dans quoi bon n'a dit just be patient et puis continue prendre médicament depuis side effect là son bail ko pa ka tolérer s'il bon son bail ko pa ka tolérer de n'a retirer ce médicament mais si son bail ko ka tolérer nous dit continue be patient continue prendre médicament et puis le body adjuster avec et puis toute bagaille tourner dans normal yo. Et nous sommes de parler nous de calcium channel blocker qui c'est Norvasc ou bien amlodipine. You know side effect que le gagnant qui c'est li bay puffiness ça veut dire ouais incommodant pied monant ou bien et côté et incommodant enflé ou bien li plein de l'eau. So puffiness ça c'est une side effect. Li pa un bagay qui critique mais par contre le nou wè li moun yo pa remèl nou retire moun yo sou médicament. Et raison pourquoi c'est parce que son vasodilator lié li dilate verso yo côté et circulation ka fait plus facile j'en nous dit et c'est ça qui fait que pied moun nan kon enflé. So with time sometimes li go away but sometimes li pa go away. Li pa aller comme ça ou faire nous connaître puis nous retirer sous médicament parce que tellement gain médicament de yo pas forcément pour obliger rester
avec médicaments c'est la bon problème. Gen un médicament ça nous relé ACE, lisinopril par exemple ou bien enalapril qui ka familier avec nous même k'ap gade menan. Yon nan side effect ke l genyen spécialement pour moun noir yo, nous capable di yon nan side effect ça nous relé angioedema. Angioedema côté figure moun nan vin enflé ou bien bouche moun nan enflé ou bien langue moun nan enflé. Ça ça sont emergency ke li. So si ou levé nan matin ou konnen sou médicament ça ou langue ou lou ou bien li enflé ou senti airway ou côté pou air passé ou senti li a constrict ou bien li a fermé ou bien figure enflé bouche ou enflé, so c'est un emergency li, c'est à l'hôpital. Pas même à la clinique ou car il est docteur, mais l'essentiel c'est à l'hôpital parce que son side effect qu'on développe de lisinopril ou bien enalapril ou bien ACE famille ACE là. So le conseil toujours songer médicament ça dans tête ou nous toujours bon conseil ça songer dans tête ou bien écrire nos papiers sous pas qu'à songer non mettez-le dans bousso pour le à l'hôpital et ou bien venir chez notre docteur si docteur après le mettre sous médicament pour connait ces pour médicament supposé mettre sous lit parce que ou te gon réaction de médicament. So j'en nous dit hein lors sous médicament nous encourage pour monitor tension la caillou et raison pourquoi si ou sous un seul médicament ou bien deux médicaments nous gen nous supposé ajouter vle ajouter un troisième mais nous dit dans 4 semaines pendant la caillou moniteur li pour nous est-ce qu'on besoin l'autre médicament étudio montre li puis bon que nous mettons sous 2 ou 3 médicaments au lieu de moderate dose ça veut dire en dose moyenne ou bien que nous mettons sous un seul médicament avec une dose qui est élevée c'est plus bon que nous mettons sous 2 3 mais dose là j'en nous dit li moderate li dans mi-temps ou bien au milieu au lieu que nous mettons sur un seul ou bien deux mais ou à maximum dose na yo c'est so, plus recommandé pour nous faire et plusieurs médicaments ou même qu'a garder me vle pour toujours retenir numéro ça j'en nous dit moins que 120 sur 4 moins que 120 et sous 80 c'est idéal là so, sous 140 ou plus ou sous 90 ou plus l'essentiel chercher ouais docteur j'en nous dit hein chercher ouais un primary care docteur parce que quelqu'un qui a marché qui pas connaît ou fait attention al chercher un docteur et puis pour qu'on nous capable de mettre ce médicament ou bien faire un petit lifestyle modification avant pour que pas arriver dans complication la petite coup de break et puis la retenir tale. Caring Hearts Family Medical Center, un établissement moderne qui dirigé par docteur Jocelyn Blanc, docteur Odiel Jean-Baptiste et docteur Réginald Jérôme. Caring Hearts déjà fait un pile palais de l'île Belglade à West Palm Beach. Clinique là équipée de plusieurs blocs opératoires ultra modernes avec des spécialistes professionnels qui d'ailleurs parlent anglais, créole et espagnol. Quand il s'agit de bail soins de santé, il y a pile l'autre clinique qui existait. Différence qui gagnait, l'autre clinique qui travaille pour nous-mêmes dans Caring Hearts. Nous prenons soin. Nous traitons chaque patient avec passion dans un cadre qui est propre et soigné. Caring Hearts prend plusieurs assurances médicales, tant que Humana, Medicaid, Medicare, Oscar, WellCare, et un pilote encore. Caring Hearts Family Medical Center, c'est numéro 1 dans les affaires de santé. De retour, mesdames et messieurs, nous avons discuté hypertension ou bien ça nous relie. Tension élevée, un monde qui est hypertendu, c'est ça qu'on a discuté aujourd'hui. Prochaine question, même quand regardez là, on va poser cette question. Est-ce que le plus bon pour prendre médicament matin ou bien pour prendre médicament à soir? Nous toujours tant de patients demandent nos questions ça et pas vraiment gagnons le précisément qu'à prendre médicament, mais ça dépend de médicament qu'on prend. Quel médicament qui va mon dormir dans yeux, par exemple, comme médicament que les clonidine, les va mon dormir dans yeux le monde fin prend. Ce nous conseillons pour prendre la soin et ou prendre le dormir, il y a encore mieux. Et nous pas conseillons pour prendre la journée parce que spécialement si on conduit pour pas le volant à profit prendre médicament ça. Diuretic comme des parlé de yo qui c'est hydrochlorothiazide for example ou bien clothalidone qui c'est water pill là. Nous pas conseillons pour prendre la soin. Raison pourquoi? Parce que vous pas dormi. T'as à temps à lever pour aller à la toilette, pour aller faire pipi, soli mieux pour prendre au cours de la journée. Study a montré at night, le nous tout abdormi et tension automatiquement descend 10 à 15%.
So, moi-même, toujours conseille patient pour prendre un médicament au cours de la journée. Si c'est pour un bail faut dormir, je conseille pour prendre au cours de la journée. Parce que c'est le sort fait plus d'activité, c'est le ça pas mal chose qu'à gonter dans ce que ou fait en colère ou bien parlant plus là au monde bah comme ça so nous conseillons pour prendre le matin mais pas gain on vraiment gain monde qui prend notre médicament à soi pas un problème mais l'essentiel ça est bon pour ou faire but study yo j'ai nous démontré que l'abdomen automatiquement tension descend 10 à 15% mais par contre à 4 du matin c'est le sali élevé encore. Et puis, between 6 and 12 noon, ça veut dire 6 heures du matin et midi, c'est le ça li plus élevé toujours. So, imaginons, c'est dans le ça plus fort, mon vincaille docteur, dans le matin, so, capable de raison tout, qui fait nous encourager pour monitor tension la caillou, en après-midi, parce que de 6 heures du matin à midi, c'est le ça tension mon considéré plus élevé. Et puis, et study yo montre tout, c'est dans le ça yo, moun fait majorité moun yo fait stroke ou bien fait heart attack dans le sa yo. So il toujours bon pour prendre médicament nan matin pour que et médicament toujours à bord ou bien médicament toujours nan san pour si on bagay t'arrivé ben nous connaît ou te ta prendre médicament tout bagay OK. So je nous dis ça pral dépend de préférence sou vous les prendre matin ou ka prendre matin sou vous les prendre la soir ou ka prendre la soir mais gen médicament tout j'en dis nous pas conseillé pour prendre la soir yon nan médicament tout c'est calcium channel blocker qui c'est j'en dis par exemple qui c'est Norvasc ou bien amlodipine nan c'est parce que ou bien il fait des peines si on a regardé moi c'est parce que ou connait les dilaté vaisseau yo sou la fait même j'en estomac la dilaté vaisseau nan qui c'est nan esophage là then li ka fè ou gen reflux spécialement moun ki fè acid reflux yo moun ki gen heartburn yo gen doit dormi et puis senti de l'eau sup monte sur l'estomac so sou pran médicament ça a souhait then c'est le sal vin dilaté et ça fè que ça then li vin causer ou gen plus reflux so et ça fè nous dit ça dépend de préférence ou bien ennui s'il cause ennui then préférer qu'on prenne le matin. Question moun kon pose nou tout, est-ce que m'ka soti nan médicament ou bien doc m'pa vle commencer médicament parce que depuis m'commencé m'konnen ou pa pou tire sou médicament pas forcément. Nou gen doit commencer ou tension te élevé ou te sou 3 médicaments et pou perdre un petit poids ou consommer moins sel ou faire exercice, then nous retirons sous médicament ou t'en a t'apprend 3 nous retirer une et puis nous quitter sous 2 mais ça pral rentrer en ligne de compte ou j'en disant avec individu patient, est-ce que patient sont patients qui âgés? Nous songer avant émission me dit monde qui est 65 and up yo, ou connaît que artère ça est vraiment dur yo hard, il est difficile pour circulation en fait. So sous dans l'âge ça nous pas forcément n'a dit n'a retirer ce médicament parce que il y a un risque le nous retirer ce médicament. So j'en nous disant pral dépend de l'âge ou si son bagage que nous ka retirer ou nous retirer ce médicament. So nous connaît pas rien monde qui aimait prendre médicament vraiment et nous même c'est bon bagage que nous aimait prescrit nous préférons les préférables qu'on fait naturellement. C'est ça qui fait nous pral discuter médicament qui naturellement et descend pas médicament non manger qui est naturellement descend tension. Nous connaît les high blood pressure silent killer. So c'est ça qui fait li gen wa pa bon warning si ça si e tension pa bon warning ça fait nous dire pour monitor tension là car spécialement ceux qu'on fait tension et sous pas fait tension tout et besan samedi jeudi hein fait en sorte qu'on ou check tension parce que pas parce qu'on jeune pour penser qu'on pas fait tension parce que nous connaît c'est temps-ci spécialement maladie ou pas gain l'âge ou après gain mon petit mon 9 ans qui fait tension gain mon 17 ans 18 ans qui fait tension qui sous médicament so ça pral dépend de la qui famille sorti puis qui maladie mon gain parce que maladie kidney ta ko ça relé nephrotic syndrome là ti mon fait tension depuis petit et puis gain l'autre maladie qui entre en ligne de compte tout j'en dire lors compliant avec médicament ou joindre solution chercher non seulement feel better tension descend parce que la tension mon en haut mon kon gen tête li cap virer ou bien li gen blurry vision ou bien li pa wè bien ou bien cool red ou bien oreille li chaud ou bien tête li fait mal so automatiquement vin compliant ou tande ti conseil docteur ba ou et
médicaments ou prendre comme ça se doit. Et si vous avez un side effect de médicaments, l'essentiel c'est parler avec le docteur, faire le docteur à Zami ou faire docteur à son confident pour parler avec un confident pour parler avec docteur, pour docteur capable tande yo, ça c'est ça important tout parce que gen moun ki di mieux gen docteur pas tande yo. Li important pour parler avec docteur, make sure que docteur prend concern en considération et konsa tout lo parler langue docteur, ça sont plus tout. Docteur parler langue ou parler langue li, ça veut dire nous ka communiquer, nous nan même page pour nous capable jeune solution ensemble. C'est ça qui fait toujours encourager nous pour nous jeunes docteurs haïtiens, nous même qui regardons sur Kajou TV ou bien sur les réseaux sociaux, si nous c'est haïtien, nous comprenons ce que je dis, hein, les plus bons pour jeunes docteurs qui parlent les langues. Et nous t'a souhaité qu'on choisisse Caring Heart pour docteur pour et clinico pour capable et venir joindre soin, venir chercher soin en main, ou bien venir contrôler ou bien régulariser tension avec nous-mêmes. So je nous dis honnêtement nous pas aimer mettre sous médicament si nous pas obligé. Mais par contre c'est ça que fait nous dit faut docteur à ses amis, on son partnership ou même avec docteur a. Et étude montré que 30% seulement médicament seulement contribue à 30% avec succès mon. Ça veut dire 70% c'est lifestyle modification. Ça veut dire si mbo 3-4 médicaments ou pas fait ça pour faire en tant que changer genre de mode de vie ou d'un pas un changement qu'a fait vraiment. So 70% c'est lifestyle modification. Là nous dit lifestyle modification ce que me dit et pour tout et pour et pas me dit là c'est exercice, faire exercice, c'est réduire sel intéco qui c'est salt intéco, réduire sel eau et puis boire puis l'eau, faire exercice et puis perdre du poids. Tout ça va aider. So m toujours vle mentionner natural ways parce que nous connais médicament ou vin a side effect, m te discuté quelques side effects but gen l'autre jon ka descend tension sans pas besoin ces médicaments. Alors faut nous réaliste parce que si nous non point que tension 180 170 même 200 même pas penser que c'est ça me va dire qui va descendre mais nous a besoin médicament quand même. So nous même faut faire diligence nous j'en nous dit pour nous capable suivre diète que nous même non et chita avo pour nous dire pour suivre là pour que tension capable descendre tant qu'on diet que les dash diet so ou capable avec diet ça les plus incorporer fruits avec végétables so c'est les mêmes nous encourager et puis nous réduire salt et pour réduire sel eau tout ça aider parce que le sel au monter qui c'est sodium le monter il vient descendre potassium que si c'est une électrolyte qu'on besoin qui pour faire cœur à bien fonctionner. So le potassium bas et le mon diurétique ça qui une raison capable faire potassium bas tout le et sel sorti d'une électrolyte qui va sortir tout ce potassium. So nous encourageons pour prendre manger qui riche en potassium. Une manger nous capable dire qui riche en potassium c'est figue mûre, zaboka et kiwi tout ça aider avec potassium. Saumon gain un peu de potassium dans tout et nous connaît yogurt et gain potassium. Tout ça aider pour que automatiquement potassium non nous pas dit élevé pour dépasser le numéro supposé non mais at least s'il non niveau qui normal then celle là descend et puis on bon balance. So j'en nous dit l'eau consommer trop sel c'est risque non seulement risque pour gain high blood pressure mais gain l'autre risque qui vient avec tout heart attack vient avec risque avec lui risque heart attack vini stroke vini osteoporosis côté gain problème dans yeux et même stomach cancer etc. Tout ça aussi risque l'eau consommer trop sel. So j'en nous dit hein c'est considérer manger qui peut aider et tension en descend manger qui fait tension monter. Nous capable dire c'est manger qui faut en sel yo, nous capable dire manger qui dans can food yo, ça qui conserver côté mettre sel dans yo pour qu'a conserver manger yo. Pizza c'est une dans yo, sausage, popcorn tout ça au fait attention élevé. So let food be thy medicine. So ou ka utiliser manger pour faire attention descend. Une nan bagay ko ka utiliser faire attention descend, nous ka dire c'est céleri. Et son bagay que nous familier avec lui utiliser céleri
betterave c'est une bagage qui est capable de faire médicament descendre et tension descendre. Les gens qui ont le nitrate, nitrate c'est un médicament que nous on bagage que utiliser et même nitrate qui descend tension. Donc là utiliser à peu près 8 onces de betterave ou bien on va faire jus avec, les vins fait tension contrôlée pour 24 heures temps au cours de la journée. So, et c'est un bagage pour nous considérer si nous devons naturellement descendre tension. L'autre bagage que nous avons considéré, c'est walnut, qui c'est nuts. Et étude a montré, sous j'ai un half a cup, et par jour, il descend tension. Et puis, les, non seulement il y a un healthy fat, mais il y a avec magnésium, et puis il y a avec fiber, qui est dans la toilette. L'huile d'olive, c'est une bagage que nous pouvons considérer si nous avons besoin de réduire tension. Et avec, je nous dis, manger qui gagne. Et banane et qui gagne potassium donc j'aime te dire saumon yogurt et banane etc. So l'autre bagaille naturellement capable faire pour descendre tension nous c'est exercice ça il considéré 150 minutes par semaine. 150 minutes par semaine si vous tape diviser 30 minutes par jour et mais gagne monde qui pas gagne temps pour faire chaque puis aller chaque jour moi même personnellement m'aller chaque jour même pas fait 4 minutes fait une heure et demi. So plus ou aller le plus bon spécialement là parce que dans l'âge plus ou a besoin faire exercice. So au moins des minimum, ça veut dire c'est ça pour faire minimum. So il y a ou a considéré pour descendre tension sur faire minimum de 150 minutes par semaine. So et puis gain weight bearing exercise qui bon tout, ça veut dire ou a fait exercice ou lever poids, ça aide ou fait exercice avec ben nan tout élastique qui aide, ça c'est et résistance, tout ça aide avec tension tout. Et j'en nous disant l'op marcher l'op fait exercice fait en sorte que suer pour que cœur est capable de rester en santé parce que quand on fait exercice il pas suer ou bien fait exercice ou pas vraiment changement parce que pas faire ça pour faire mais une raison mon pas fait exercice tout ou gain des leur c'est pas faute yo gain douleur parce que yo vinn gon surpoids et puis qui affecte genou ou bien qui affecte croyo dans le pour mon al marcher les plus douloureux mon n'a pas vraiment et envie fait exercice. So nous avons souhaité que vous preniez un petit conseil que nous avons discuté jeudi. So, ça m'a aimé correcter avec le numéro ça, 120 sur 80 ou 120 par 80 au moins, c'est idéal pour tension. Et si vous avez 6 tension 140, en par 90 ou plus, c'est pour considérer un docteur pour nous mettre sous médicament. Nous connaissons, même la Bible dit ça, peuple a péri par faute de connaissance. People perish for lack of knowledge. Ça m'bon jodi an c'est information, m'ba bon knowledge, m'bon information. Knowledge c'est l'op prend ça m'ba ou a ou mette la pratique. So m'da souhaité ça m'bon jodi an ou pas seulement tande l et puis ou pas faire rien ça. Et gen moun ki poukò fè un check-up pou ane an, nous t'a souhaité que après soit fin tande an, ou gen lwa gon tension, pas de konon fè tension. Mais on vini nan Caring Hearts pou vin prendre soin et puis pou nou kapab vérifier est-ce qu'on fè tension. Ou bien est-ce que gen doit gen l'autre maladie qui a développé qu'on pas connaît. So l'essentiel c'est fait un check-up pour capable make sure que on était en bonne santé. Nous toujours dit qu'on fait médecine collaborative avec l'autre spécialiste. Si on a problème tension, nous ca obligé ca référer au cardiologue, ça dépend de niveau tension ayé. Nous ca obligé ca référer au nephrologist s'il vient venir pour la affecter kidney et même un pulmonologist parce que gen moun ki fait sleep apnea côté revenir un moment yo suspend respirer au cours de la soirée, dans ça vient affecter tension yo, monter tension et puis finalement affecter kidney. So encore, m'ta souhaité que ou pranti conseil nou yo mette en application et puis non seulement mette en application mais vinn jwenn docteur blanc pour docteur blanc Jiri santé ou bien vinn jwenn docteur Jean-Baptiste, docteur Jérôme pour capable faire clinique là en deuxième home pour. N'a rappelé que nous gen 3 cliniques pour bon service dans communauté, nous gen à Belglade qui c'est 371 South Main Street, nous gen à Port St. Lucie 8980 South Federal Highway et nous gen à en Palm Springs c'est 2135 South Congress Avenue. Téléphone nous dans Palm Springs c'est 561 965 6333 et dans Port St. Lucie c'est 772 249 3938. So n'a dit merci de ce côté passé tout temps ça avec nous et nous t'a souhaité rejoindre nous semaine prochaine encore dans même heure, même channel là. N'a dit prends soin de toi et à la semaine prochaine. Merci.
Moi, je voulais dire merci avec Dr. Blanc, non seulement lycée médecin, moi, et en même temps, lycée médecin madame, moi, lycée médecin petite, moi. Bah, j'en regrette un jour le fait que je me fait choix pour m'aller dans Karen Hart, parce que ça m'a cherché à moi joindre. Côté monio, c'est ça qui fait moi venir là, pour non seulement aller de l'avant avec lui dans tout service que la communauté haïtienne a, mais en même temps avec la communauté spanish, ça me connaît, je sais, spanish, pas parler créole. Mais ma douce, pour l'année 2022, si vous n'avez pas un médecin, je demande pour faire choix de Karen Hart. Il y a un docteur Odiel, il y a un docteur Jérôme, il y a un label docteur Blanc. Non seulement l'arrivé dans l'office où j'ai un accueil qu'au besoin, et ça qui est important, li met au chita pour discuter toute lab test sur ensemble avoir. Et ça qui est important, m'te dit l'an chaud qu'il t'a fait déjà. Ou pas besoin pour yo ba ou papier pour al faire lab test, yo tout fait là dedans pour. M'te gen un patient qui vini côté me travail, qui ça me fait. M'di li ou besoin au côté pour aller faire non seulement lab test et tout bagaille, il dit bon c'est ça m'a cherché. Nous même haïtiens, si m'ta dit nous en combien fois mon vini en dans pharmacie avec yon papier qui au bail pour ta allon lab, yo vini avec yo penser c'est prescription que lui. Avantage qu'on gagne dans Karen Hart, yo tout fait test ça pour yo voir li et puis résultat s'ouvre, mais mon là yo capable voir ba. Alors m'a do ça. Si vous voulez faire tout plaisir, ou besoin d'avancer pour santé, m'a recommandé non seulement docteur Blanc avec l'autre monde qui est dans l'office, Karen Hart, madame moi très piquée. Le fait qu'elle était très piquée, m'a un monde qui mettait le nom pour madame moi, et c'est ça que fait, yo toujours dit happy wife, happy life. My wife is happy with Karen Hart and that make me happy too. Thank you so much. Kim Hart Family Medical Centers has been in existence since 2014. We have two locations, 2135 South Congress Avenue, Suite 4A and B at Palm Springs, Florida, and also in Belgrade at 371 South Main Street. Meet your medical team, Dr. Jocelyn Blanc, Dr. Odiel Jean-Baptiste, Dr. Reginald Jerome. We take most major insurances and we offer a full range of services such as EKG, labs on site, allergy testing and treatment. We also offer DOT, work and school physicals. Visit our website at chfmedical.com and call us at 561-965-6333.